Bonsoir tout le monde, Aïssé tout côté, ça passe. Donc, je nous connais déjà chaque soir, nous avons là ensemble avec la communauté, dans l'idée pour nous capables partager et contenu intéressant ensemble avec la communauté pour nous inspirer, former et aider nous avancer. Donc, je nous connais déjà, nous sommes Charles Zelouy, moi c'est Digital Marketer, CEO de l'agence qui est l'expression digitale et responsable marketing pour l'équipe Redbrancher Academia. Et à ce moment-là, nous avons là qui est super, super intéressant, côté que nous allons parler de copywriting. Qui ça, copywriting, qui importance copywriting, qui technique pour capable de faire un message qui captive, qui ça, qui rôle copywriting dans le marketing, là, comment capable apprendre ça qui a à voir avec copywriting. Toutes questions, ça, nous allons répondre. Et pour nous capable de faire ça, je vais vous parler avec un autre garçon qui a fait un travail extraordinaire dans la communauté, qui est Jean-Luc, ou encore Jean-Luc Dufresne. C'est lui-même qui, monsieur, son content writer, monsieur, qui a un parcours extrêmement intéressant dans le domaine. Donc, avant de nous recevoir Jean-Luc, nous allons prendre une petite pause pub et puis nous allons tourner ensemble avec. Et n'a tourné avec Jean-Luc sans problème. OK, t'as l'air bon petit problème, tout petit. OK. Sommes-nous une façon de faire quoi pour bien me tirer moi? Pour mal comme ici. All right. Donc, avant nous accueillir Jean-Luc, nous saluons tout le monde qui est déjà présent par la vla, nous saluons tout le monde qui est vraiment présent par la vla, nous encourager ou partager la vla, parce que ça parle de la grande pile, en pile qui choisit qui va parler. Nous saluons la guerre, McDonald's qui dit hello, McDonald's qui dit est-ce que c'est mon cap qui est là aujourd'hui? All right. Et McDonald's, n'a pas salué Presnel qui dit la poutre nous depuis New Jersey. N'a pas salué Mackinson Télémac qui dit mettez présent pour lui. Donc, mes amis, partagez la vla. Nous avons plus qu'on traite de monde qui est ensemble avec nous. Partagez la vla. Parce que ça quoi dit là a vraiment, vraiment intéressé nous et va vraiment aider nous tous dans l'activité personnelle ou encore activité business. Bon, Jean-Luc, comment est-ce? Comment tout le monde? Vous êtes pour nous, c'est un plaisir pour nous avec nous à ce soir. Parce que ça fait longtemps que papa est de métier, de passion, de ça me fait passion qui s'écrit. Moi, j'ai écrit en pile depuis que j'ai écrit en pile. J'ai écrit et j'ai écrit en pile. C'est un plaisir pour moi que nous à ce soir pour parler de passion, de ça me fait pour vivre avec vous. Merci pour l'invitation. Merci à Allô. vous de permettre que jeunesse là, mais tout. Tout le monde qui est en bas live là, tout le monde qui a suivi nous, tout le monde qui a une chance de faire des vidéos, ça. Apprendre de ça me connaît et puis mettre en pratique une série de techniques que je peux faire là, qui permet de bien gérer par jour sur le social ou bien gérer business en ligne. All right. Donc, je nous tente à mes amis et. Jean-Luc, c'est vraiment passionné d'écriture. Donc, pour le grand pile qui choisit, qui va le partager là, partagez la vla parce que ça va être là, vraiment, vraiment intéressant. Donc, Jean-Luc, avant nous entrer dans le sujet, présentons le peuple, de qui est souillé et parlez à le peuple. Ok, est-ce que nous entendons bien? Parce que. Est-ce que sont bien sortis? Est-ce que nous entendons bien et. Est-ce que nous allons nous bien? Nous avons la guerre qui a parlé de. Non, James, si ce n'est pas la Jodia, c'est nous-mêmes qui avons géré la live là. Est-ce que ce sont. Bon, côté, nous allons bien, mais par contre, si nous allons bien.
donc essayer commenter pour dire est-ce qu'elles sont sorties bien, donc est-ce que nous on va à la vie, est-ce que c'est sont bien sortis, mettons un petit check en bas. Nous sommes déjà les contingents en bas, on va connaître. Est-ce qu'on va parler un petit peu plus fort? Il y a dit autant de contingents en bas. Ok, on va parler un petit fort. Est-ce qu'on t'aime bien, Kounia? All right. On va se faire gérer parce qu'on t'aime mieux. Ok, on va parler un petit fort pour qu'on bien entendre. Mais son petit check en bas live là, si on bien entendre. Son bon Kounia? Ya, mwen se ou ka pale, e pi ou fi a mwen di yas. Nou gen Rocky ki di nou ou bon Kounia. Bon Kounia? La gen di ki, ya. Ok, bon Kounia, ok. Mwen se Jean-Luc Dufresne, se yon jen kreatè, jen kon di lan kreatè numérique, digital, mwen se di communication à relation publique. À ses principales études que me fait. Études communication regroupées en pile dans ça que m'étais aspiré, dans ça que me toujours aspiré pour vivre dans carrière moi, pour dire que ce que me voulais bailler carrière moi parce que communication c'est ce qui transversal, il englobe en pile bas, il passe dans pile domaine, ainsi me retrouver dans communication et puis relation publique qui aider en pile dans série de contacts que me fait et puis après ça remet comme si pour tout bail carrière mon direction. L'infinité de communication, première partie que aborder nos communications c'est journaliste. M'entrer directement dans journaliste, mais journaliste là, m'entrer dans directement dans journaliste digital, m'entrer directement dans plateforme digital média qui c'est Jocarel là, qui c'est première expérience moi dans média. M'tout rentrer directement dans digital là, avec une dégain chance pour digital embrasser bien bonne dans carrière. Avec une habitude technologique bien bonne depuis dans commencement carrière. Tout baptisé avec technologie dans la plateforme qui c'est Chocarel là. Pendant la plateforme ça, on tout apprendre qui gens que on sait qui blogueur, j'en réponds ni, j'aurais les blogueur rédacteur pas obligé de limiter seulement avec texte. Pour la technologie, a tellement bonne opportunité pour faire l'esprit pour faire sur le monde, ou pas arrêter seulement dans pomper texte, faut fond gens, l'offre une pomper texte là, faut permettre qu'un pile monde kawel, faut permettre que disponible pour un pile monde. C'est dans ce sens ça que depuis les entrer dans média, on tout compte qui j'ai pour gérer texte, pour gérer les gens texte à publier, pour gérer différentes plateformes que la publier sur pour connaître qui j'ai m'adapter une image avec texte moi, vidéo tout ça c'est grâce avec Chocarel la premier côté que on commencer carrière moi et on tout rentrer dans digital. On a l'aime fin entrer, l'aime commencer dans média comme ça. Je commence avec journaliste. Pendant que le journaliste m'entraîne dans le multimédia directement m'entraîne dans le multimédia, ça tout montre. C'était comme si son porte qui tout ouvert pour moi sur digital là. Digital marketing, bien avant COVID. Je m'entraîne dans digital marketing vraiment en 2020 en tant que community manager. Je commence à gérer page différentes grandes entreprises dans la société. Je comme si une jeune passion vraiment. Pour écrire, moi qui j'ai pour m'écrire pour me convaincre, moi qui j'ai pour m'écrire pour ne pas paraître même avec tout le monde qui a géré page, n'importe page, qui a cherché un jeu pour me retirer monotonie, il a géré une page. Comme si l'homme de son page, ouais, même style publication, yo. C'est ça qui fait qu'on y a mon fond, je me détache de community manager, vini en tant que content writer, quand je monte sur Instagram, moi je me vends en tant que content writer. Dans les gens qui m'a produit texte, qui c'est principalement créole, moi même créole en pile, français tout, et puis anglais, et puis en trois langues, pour différents contenus, pour différentes entreprises, particuliers tout. C'est ça qui me fait, jusqu'à maintenant, dans le digital marketing, qui sont branches qui sont vraiment vastes, même la communication, même retenant la partie content writing, et en tant que content writing, ou jeune copywriting, qui gère la partie vente, la partie marketing, la partie qui j'en pour convaincre clients, pour acheter pour Zola, pour abonner à page jour, pour fidéliser en clientèle. Et ça?
On a besoin de dire parce que ça c'est pas vrai. Possible, sentir les connexions, mais en cas d'essayer de la monter encore. Nous là vraiment pour nous comme plus de copywriting. Ok, moi je dis là, je dis que tu as remonté. Et dire ou mieux de dire, essayer on mute tête et dire qu'attendez vous. Il n'y a pas tant de dire, essayer on mute. Sautant des médias, essayez on mute parce que nous partons donc. Ok? Allô, nous t'allons? Ok, désolé, j'ai un petit problème technique à côté. Oui, en fait, merci Jean-Luc pour si belle présentation ça. Et en effet, moi, partager en pile d'informations qui viennent à ensemble avec parcours, carrière ou tout ça. Mais Jean-Luc, dis-nous, non. Je dis, on va parler de l'importance du copywriting dans gagner et dans le marketing. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous vraiment un peu de mots qui ça copywriting pour un monde qui a regardé là pas qu'on a aidé copywriting qui ça lié Ok, copywriting nan ki sa li an peu de mou. Se yon, on branche an dan metye pam nan ki se konet writing, menm si nou wè tem yon an angle, se pwoske yon se de metye ki fèk pare, kom si de nouvo metye, yon digital marketing nan engendri, pou bien di nou. Konet writing, se nou de ka di, an bon kreol, se redakte kontni. Comme si nous déclarons. Pour une partie écrivain, c'est rédacteur contenu. Et puis, en tant que rédacteur contenu, nous venons partie en tant même qui là, pour contenu que nous avons écrit, c'est contenu qui est destiné pour vendre. Ça veut dire pour faire vendre. Ça veut dire bonjour marketing. Qui c'est copywriting. Un monde qui c'est copywriter, tout texte à écrit, il a une seule finalité. Convaincre clientèle là, convaincre followers, convaincre comme si investisseurs, pour acheter pour vous là. Ça veut dire c'est vendre ou vendre à partir de copywriting. Lorsqu'on fait un plan marketing, on peut gérer une page Instagram ou Facebook ou bien même YouTube, on peut gérer. Bonjour, copywriter, prend page pour utiliser mots qui allent avec domaine ou ensuite tout, qui va convaincre followers. Parce que chaque domaine qui a des mots qui allent avec. Il y a des cas où, dans chaque domaine, il y a un jargon. Et copywriter doit comme ça arriver versatile. On est que on a médecine mais qui genre pour utiliser pour convaincre patient pour acheter tel médicament non on a dit non restaurant mais qui genre pour utiliser pour convaincre client de la ville goûter place ça et ça copywriting n'en fait en soi et il fait ni en ligne il fait sur n'importe support qui soit digital soit comme si on a dit manuel dans le sens marketing traditionnel là et ça copywriter a fait. Ok. Donc, si vous comprenez bien, copywriting, c'est vraiment utiliser utilise des jargons qui viennent dans un domaine pour être capable de convaincre l'audience pour un seul objectif et vendre un produit ou un service. C'est ça. C'est ça, oui, c'est ça en gros. Ok, super. Mais maintenant. Ok, mais maintenant, Jean-Luc, est-ce que un standard et par exemple, là, on copywriting, est-ce qu'il y a un ensemble de règles pour les suivre, est-ce qu'il y a un ensemble de techniques à respecter, qui ça qui est capable vraiment faire un texte, un individu lambda écrit, pas convaincant, tandis que même copywriter a parlé, on copywriter parle pratiquement même thématique là, il écrit un texte et puis texte sont vraiment c'est une grande différence en individu lambda qui écrit texte. Donc qui ça qui est que
copurateur à respect qui fait que tu es capable de convaincre de l'audience par rapport avec un individu lambda. Ok, je parle directement par rapport avec Jean Kounfel, parce que je sais c'est maîtriser un pile style écritif, c'est passé de journalisme, puis passé d'écrivain tout, mais copywriting dans lui-même, il est plus direct lui-même. Comme si l'offre sur un texte copywriting, comme si pour son copywriter capté, ouais, comme si mon appuie sur un produit pour vendre, il n'est pas dans, si j'en ai qu'à dire, il n'est pas dans pile littérature. Si vous finissez sur un texte, un copywriter écrit, je ne sais pas si vous avez un créole là, premièrement, le titre a percutant. Comme si après le titre, depuis sous titre, le titre a choqué. Comme si un copywriter ne va pas avec un bagage pour le titre pas choqué. Comme si il n'est pas présenté un produit pour le titre pas choqué. Comme si pour moi, le titre n'est pas arrivé sous depuis le premier son lien. Depuis sous, n'a pas apporté la choqué avec le titre. Depuis deuxièmement, depuis un temps, le paragraphe, après, par rapport avec différents l'autre texte, mais comme j'ai phrase longue, bah, il s'en est compris, il y a directement les mêmes, il y a une phrase courte, il peut bagarre, il parle avec une société de gros mots, parce que les parents, ils sont écrivains, comme si Jean-François Chrétien, bah, il s'en est capable, pile belle, bah, belle lettre, non, il vient parler directement, comme si, en façon, comme si pour n'importe monde, dans n'importe niveau langage, il peut comprendre ça, il dit, il vient acheter pour tout, il peut comprendre, il fait le texte copyright, un copyright de écrit. Normalement, on doit comprendre en grand trois réponses de qui dans la tête. Qui n'ont pas du bien, qui ça a fait et qui j'aime qu'à joindre. Même j'en tout, le copywriter a écrit un texte. Premièrement, texte comme si dans le texte, titre de percutant, dans le sens comme si j'en ai présenté pour du bien, n'a pas apporté là. Il a écrit et puis non, mi-temps, tout le présenté qui bien fait produit, hein, ou bien qui bien fait, qui comme c'est qui avantage entreprise ou offre. Qui ça son prendre médicament là fait sous lui et puis dans fin il doit dire ça nous va pas depuis devant on call to action pour te que lui tu doit dire qui côté va venir qui côté comme si dans qui page qui ça doit suivre qui côté qui numéro de téléphone pour lui tout ça yo c'est comme si c'est dans fin on copywriter la fini un texte mais a fini n'importe ça l'a faire l'a bien un call to action quel c'est soit IG Instagram quel c'est qui son blog que l'a écrit. Que c'est sur Facebook, que c'est sur Twitter, n'importe plateforme que l'utilise, hein, il doit finir avec un call to action parce que c'est ça lié, c'est ça le fin de faire, il vient vendre un produit. Mais le problème, il vient il pas de qui toi avec une question, il doit dire qui côté il veut avoir un produit. Il doit faire, il doit tout bon côté pour jouer un produit. Il doit faire, il doit tout bon qui sa entreprise a caillé dans le monde, qui j'en a bénéficié de service entreprise. Ça veut dire, si on exécute de l'homme d'appeler pour n'importe page réseau social, si le barrière technique ça, la écrit belle français, belle créole, belle anglais, il va bien faute, non, mais il n'est pas convaincu. Mounio. Parce que mon abri font les abri lancer, trop mots, trop bas, sans sens, parce que les mon abscol, comme mon abdéfilé sur Instagram, il vient pour une raison. Si depuis le commencement, l'appli en caption Instagram, en caption post sur Instagram, pas capté, la défilé là, il n'y a pas même fin, ni même rivé dans moitié, tu vois. Dans le copywriter là, il y a même pour qu'un client, qu'un mon simple followers qui a passé, qui tombe sur page, qui tombe sur un live Facebook là, et puis après, dans le fin, il doit dire, mais finalité, il dit, il y a toute la différence là, entre un individu lambda qui a écrit un texte pour écrire, avec un copywriter qui a écrit un texte pour convaincre un client, pour convaincre followers, pour convaincre même nous-mêmes qui en bas live là, restez là pour nous suivre, moi qui a parlé de copywriting. Didier? Et Zer, vous entendez? Ben, comme Zer a un problème de connexion pour côté là. Moi, c'est que j'ai un peu commencé à prendre question par live là parce que pour côté Zer, il y a vraiment, vraiment. C'est un problème. Pour moi, ok. Comme font-ils
élaborer avec nous. C'est pas comme si il résumait seulement avec Jerry Bajan. Afton. Bon. Moi, baisse lui. Qui compétence clé yon copywriter si pose gen. C'est ça au mandem bien, c'est ça au mandem bez lui. Qui compétence clé yon copywriter toué si pose gen. Bon. On va aller directement avec question bez lui. Un copywriter li doit maîtriser premièrement grammaire li. Il doit maîtriser grammaire. Son monde comme si qui doit dormir levé avec mot. Parce que j'essaie de côté, j'essaie de sujet à débattre sous utiliser un mot dans telle place un mot qui a dit un bagaille. Ça faut qu'il pour le maîtriser, faut pas dormir avec mon lien avec mon faut qu'il a géré syntaxe tout. C'est très important. Pas blesser c'est vent ou vin vent. N'importe qui mot qui mal placé dans caption ou bien dans même titre ta blow et ça comme si capable faut vendre parce que monde pas le poser question au lieu que dit intéressé acheter là veut dire faut maîtriser mot et puis essayer des mots qui conséquents percutants et puis en même temps tout faut essayer à le simple pas comme si on copywriter comme si pas disons son métier facile non mais essayer de monde de pour avec écrit avec pour tête non on va avec pour tête on va avec pour vendre produit essayer des monde comme si surtout monde qui avec français yo yo faut que plus il piro plus comme si écrit bel français élaboré comme si a fait des faits accord et puis après aussi c'est bien mais pas assez mais non copywriting c'est plus aller bref court avec phrase courte vendre produit plus simple que possible mais des tournures percutantes comme si pas la yo bref vague comme si c'est jouer avec moi ça va dépendre de ma connaissance qui domaine nous est besoin même comme si soit écrit une page comme si qui dans technologie jouer avec yo jouer comme si pour monter mon yo technologie en là pour tout le monde technologie en pas comme mythe là donne vraiment pour mon cala tout le monde cala technologie en mais ça va dépendre de qui ça pas jouer à faire de qui domaine moi en technologie jouer avec moi juste pour mettre mon nom dans le bain mettre mon nom dans bain comme si c'est pas loi parler avec mon nom vendre un produit c'est comme si c'était quatre copywriting là c'est marketing traditionnel là ou juste son genre ou virer le produit ou faire le pic ou faire un résumé on le comme si on rentrait sur mon nom bref sur coup ou faire un résumé de ça que tu as dit ou faire une conversation avec mon nom et puis après montrer pic ou avec contexte parce que mon parce que les réseaux sociaux c'est défiler ou défiler au téléphone flap mon défiler ou capter mon nom et puis n'importe quoi de là. Et puis après, on continue dans la fin, on parle en call to action, côté pour faire un produit, on parle ça. On dit que nous utilisons une communication très intéressant. Ça montre tout que tout soit utilisé, tout le monde utilise, il faut que nous contexte. Parce que si le contexte n'est pas bon, l'interlocuteur n'a pas qu'à décoder ce dire. Et ça, c'est important dans le copywriting. Vous avez fait un produit comme si c'était un médicament. Et puis après, mon prend dans l'autre contexte. Et puis, il pense la fonvie, il fait souli. J'entends comme si on déforme les paroles là. Et puis après, on est première perception, il s'accrète. Et puis après, pour tout le monde, on va vendre. On copie, on copywriter. Copywriter, c'est comme si on soft skills que tout le monde a dû gagner. Mais il y a des gens qui choisissent professionnels là-dedans pour qu'ils ne baguent pas. Pour qu'ils ne baguent pas. Avec des copywriting, son skills que. Tout social media manager doit gagner parce qu'on va produire contenu, on va faire genre pour vendre série de pages sur pages sociales différentes entreprises. Faut qu'on gagne mot, faut qu'on dorme avec mot.
faut que on te ka di pétri moyo façon comme si pour les moun appli ou pour l'envie acheter pour l'envie qu'on produit plus parce que on bagaille tout dans ça tout faut que moyo décrit donc sur Instagram ou ka poste une photo faut que moyo aller avec ça au poster comprendre faut texte là faut caption dans décrit ça au poster dans image là et ça fait copywriter là faut que comme faut que ca décrit ça veut dire si là comme ça ca fin copywriter c'est plus premièrement faut que lire en pile tout faut que je mon grammaire car j'ai un bon syntaxe il permet tout faut que ca gérer phrase longue et puis pour pas faire copywriting mais copywriting non c'est plus en partie j'aime dire en temps on va qui plus facile c'est connaître writing quand on va dire ni même copywriting il y a mon qui blogueur il y a social media manager content il y a mon qui gère comme c'est dit mon qui écrit texte pour site directement tout ça aussi ça rentre dans métier que me fait avec passion vrai partager connaissance avec plateforme retranché. Si une autre question, nous ca poser un live là après pour nous parce que il dit beaucoup j'aime monter. Merci bien joué pour question là, par contre, si tu bien répondre nous. Une autre question, nous mettre poser un live là. Ok, merci beaucoup Losan. Losan Tassi, merci beaucoup pour la question. Est-ce que l'utilisation d'un outil de copywriting est limitée à un domaine? Non, je ne dis pas ça. Mais en même temps, Jean Candian en français, c'est Pierre Kirou Namas Pamous. Un copywriter pas à supposer prendre tout domaine pour dire ok, je suis expert, je écrit pour n'importe qui. Pour n'importe comme si je suis là. Ka écrit pour mon restaurant checké m'ka écrit pour lui un club checké m'ka écrit pour lui l'hôpital checké m'ka écrit pour lui l'école checké m'ka écrit pour lui non faut qu'on spécialise dans un domaine faut qu'on comme si on était sur garder en marketing nous relais ça en niche faut qu'on niche même vous écrit pour technologie avec marketing et puis après m'écrit pour startup yo après on a venu en pile dans startup yo dans des entreprises qui a fait grandir yo n'a vraiment bien assez m'aider dans entreprise mais moi m'aider dans entourage moi ça apprend moi m'aider moi un bail sur bail comme si entourage moi ça veut dire n'a plus besoin moi dans domaine ça mais on pas besoin moi facilement on pas besoin Jean-Luc a écrit pour une page l'hôpital mais qu'a écrit sur un site comme si médical parce que c'est pas domaine moi les bon jargon on va écrire là on va dire telle maladie tel bail puis pas contre genre bah moi bon jargon et puis des arômes, on vit français parti, on vit créole parti, et puis après, pour le même temps, dit maladie à camper, je me dis pas camper, yo, comme si bagaille sensible. Je me dis, hein, c'est même genre par les paroles là, sorti, le papa retourne encore. Même genre, qui texte dans mon amour qui est sur le site dans l'UL, les gars font un pile de gars. Ça fait comme si on copywriter, oui, cherche une niche. Il dit, mais 3, 4, 5 domaines maîtrisés, ok, on prend le. Perfectionner la donne, venir explorer la donne, ok, depuis au check-in, là. Mais, je suis pas expert en santé, je suis pas contre jargon santé en bien. Si c'est pas comme si vous évitez ou balbaye moun yo tout, so, pas monter parce que ça va attacher, va tacher carrière ou, va tacher visage entreprise dans tout. Et ça va faire un pile de dégâts. J'espère que vous bien répondre à la question, le sens. Santasie, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a posé question? Parce que il y a rien les tombé net. So, n'a pas fait live call côté que prochainement nous gagne pour nous pour venir cours sur plateforme ça arrête branché cap sur même sujet là. Mais pour l'instant,
C'est comme si en consultation, nous nous posons des questions ouvrées sur qui gens pour nous contexte qui a convaincu le client, qui a convaincu l'OS, nous suivre nous ou bien follow nous, vendre, acheter le produit. Nous remercions John Wesley qui pose une question, qui dit, si je bien comprends, un copywriter a dû à non? Est-ce que ça veut dire un médecin qui t'a dû faire copywriting? Non, 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 ça va pas dire ça, John Wesley. Médecin, copywriter sont disciplines vastes, mais chaque copywriter a choisi une brèche pour le prendre, une niche pour le prendre. Même en tant que copywriter, je n'ai pas écrit pour partie médicale, mais écrit pour technologie, communication, marketing, start-up, PME, leadership, entrepreneuriat. Ça veut dire partie, ça me prend. Pas n'importe partie médicale, mais même. Ça veut dire pas pour moi, mais même ma compétence pour mon page santé. Parce que je ne pas maîtriser. Je ne peux pas toujours maîtriser, mais j'aime dire nous, Jean-Jacques Confosé a dit, puis qui roule dans ma spamousse. Vous ne pouvez pas maîtriser tout vraiment. Choisis une chou, regardez qui ça, entourage ou plus mandé, entourage, mais grand pile d'entrepreneurs, heureusement. Heureusement, grand pile de monde qui a fait business. Ça veut dire que pour aider, dans le sens comme si, plus, by consultation dans ce sens, et puis, un produit contenu pour le monde qui est start-up dans l'entourage, qui est dans l'entrepreneuriat, qui est dans la technologie, qui est dans le marketing, qui est dans la communication. Ce n'est pas comme si un médecin doit utiliser copywriting pour gérer page. Non. Le médecin a toujours fait page, dit, check on social media manager. Social media manager là, doit gagner dans skills, copywriting, il doit maîtriser jargon médical là. Sinon, il a fait plus que mal que de bien. Est-ce qu'il y a une autre question toujours? Merci, John Wesley. J'espère que vous avez bien répondu à la question. Si vous avez dit d'autres, vous avez toujours. À la gilet en bas live là. N'attends d'autres questions yo, parce que c'est un live normalement pour tout le monde qui t'a avec connaît qui ça copywriting là yo tout connaît aujourd'hui hein, c'est un parti dans digital marketing là j'aime dire nous qui là pour gérer texte pour vendre comme si moun n'a écrit pour inciter clientèle là followers yo acheter produit hein. Ça veut dire, l'énal sur Instagram, nous finissons les photos, l'énal en caption, des mots en caption, pour nous acheter des produits. Connaissez, social media manager qui ont skills, dans copywriting, qui gère ça bien, qui permettent comme si les coups fins, une web post, ou toujours ticket, entreprise a bien présenté page de gens, bon mal acheté, bon mal, ok, bon mal référé aux amis. Mais tel gens, les gens disent, oh, ouvre un tel produit sur qui page, la voyez les amis sur page là, la voyez, et puis l'entreprise a grandi, et puis clientèle là, la fidélité clientèle là. Si vous avez une autre question, qu'à toujours partager la question, m'attendez-nous parce que Edzer tombé, malheureusement. Mais j'aime dire, nous, hein, c'est une plateforme, moi j'ai une belle plateforme éducative qui a différents cours sur lui. Et prochainement, on a venu dans le sous plateforme non capable de nous gérer texte parce que c'est très important même très sensible pour texte hein. Et puis longtemps les mon a écrit à faute ça toujours bon problème et on font jamais même pour côté pas mon très professionnel parce qu'on capable gain temps on capable incompétence on capable oublier une série de notions même là pour m'aider. Pour m'aider ça, mais Edzer lui en bas live là, il dit si vous voulez un technique à battre, nous allons comprendre ça. Il y a un quelques problèmes signal, mais pas un problème, guys. Nous allons toujours partager des questions avec moi. Qui sont nouveaux médecins dans digital marketing, non? Nouveaux médecins dans digital marketing, non? Qui c'est? Qui est déjà très vaste, qui est déjà très vaste. Mais branche ça lui-même, c'est texte seulement. Texte seulement. Li an dan, copywriting nan an dan, content writing, di vraiment vaste. Tout ça qui a rapport avec texte dans digital marketing, nous gérer ça. Content writer t'as supposé gérer ça. N'ap salue Jean-Philippe Guillaume. Et dire d'un après programme live là, pas un problème, même disponible tout le temps. Disponible tout le temps. On a toujours refait live là, n'importe le. Là, maintenant.
Moun ki ten bay la vlas, moun gen ki sou pou fi depozil avan ke live lan koupe. E nan nou rit branche akademi nan nou dizer lui, pou te eskuz nou, paske pou sa tatè ou la pala, men kanmèm. Mese pran kisyon nan men nou, paske nou te vle fè live lan interaktif tou. Ok, pa yon problem sou sa. E nan men ki, si nou gen kisyon pou fi depoze ou, an pou tande nou. Une question encore. Bon, c'est pas une question encore. N'a pas campé live là pour vous dire qu'on y a là. Ok, l'autre une autre question. N'hésitez pas à qui copyright des textes là. Texte à ce simple, bref, mais loup et tout. Au cabin exemple de combinaison, ça non, si j'ai choix. La guerre McDonald's, m'ba wè kesyon lan, malheureusement, m'ba wè kesyon lan. M'ba wè kesyon lan. Est-ce que j'arrive vous yon? Ok, m'a pensé de répondre l'osan. Ok, mwen yon kesyon, Richie Blanc, ki se, est-ce que grafik lan sou kontou tout? Non, grafik lan pas sou kontou. Grafik lan pas sou kontou. Richie, grafik lan pas sou kontou. Se ka, ou travay de konsen avèk un grafisme. M'gan pil grafis ki zan mim, men, ou konese ou kap bay konteni pou grafik lan tout. Ça son parti que nous t'avons dans live là. Ça on parti que nous t'avons dans live là oui. Mais comme pour répondre Gichi, copyright writer a tout c'est lui qui bail texte pour image. On peut essayer de image au plein à texte. Ça c'est un bail qui pas fait sens. C'est tout pour Instagram. Instagram même c'est pour les images. En tant que copywriter, on dit en créole normalement, on dit créole en pile. Ou l'op bay text pou yon imaj, e se simple, kom si, pa ba yon pil mou, paske imaj a pale pou tèt di deja. Le mèm l'op fè flyers pou yon social media yo, sou ka fè l'op 3 slide, fè l'op 3 slide, pa ba yon pil text non pounye. Paske mèm Instagram, wè, le wal boost page ou Instagram, sa am tou ba nou konsultasyon social media, le wal boost page nan, Instagram ka refize boost nan, paske yon trop text sou imaj nan, jute premier imaj nan, yon trop text, apre mèm très habitué dans faire carousel post 10 de post sur très habitué la donne premier hein, c'est un titre comme si qui doit percuter il pas le gain pile texte image de parler pour tête li comme si texte doit simple et puis ça dépend de fond toi utiliser copywriter la travaille de concert avec graphic designer hein. Mais en même temps il pas de pomper tout texte et puis après pour designer à gérer gens ta de gérer non faut que qu'on ait que texte à bas là faut qu'il simple. Bref, percutant. Seulement ça. Je vais me répondre à une question au centre là, Richie. Qui c'est. Est-ce que j'ai un exemple de combinaison ça dans ces choix? Ou même quand j'ai un exemple, mais c'est comme ça que je suis sur ma toubaï là. Et que le centre a souhaité que vous abonnez à Red Branchy Academy pour les communes sortir pour tout jouer toute astuce ça. Ok? Ok, question là, Guy McDonald, c'est comment yon moun ka vin yon copywriter? Mde dis ça ta lè. Pour vin yon copywriter, li simple, en même temps tout li difficile, parce que faut ou ki passionné, même son passionné écriti, depuis l'école classique. Son passionné écriti. Pour vin yon copywriter, faut ou li en pile. Pour yon balas li en pile. Si tout nan niche que choisir, nan branche que choisir, faut qu'on lit en pile et faut qu'on maîtrise grammaire, faut qu'on maîtrise grammaire, il faut qu'on dormir avec mon patrimoine pour qu'on joue un mot qui percutant pour qu'on convainc monde et puis faut qu'on gère contexte avec écrit parce que quand dit en pile bagaille qui va dire on va penser au fin de confrère le regarder en somme phrase va dire phrase va commencer non bout qui va fini so faut qu'on gère ça et que prochainement la Kia McDonald, on a fait une course sur plateforme ça, Red Branchy Academy, ça prend tout qui gère au monde, écrit, surtout pour les réseaux sociaux. Chavan Mankorel, vous demandez qui dit fin c'est qu'il y a labels avec copyright. Donc, pas vraiment comprendre.
Mais parti ma petite, m'a parlé aujourd'hui, hein, c'est copywriting qui est différent de copywriting, c'est droit réservé, tout doit réserver. Avec dit copywriting qui veut dire droit réservé, copywriting c'est on partit en tant qu'on est writing, un nouveau métier en digital marketing. Il a pour écrire texte pour vendre. Avec dit, pas traduit pour nous, non, mais m'a dit ça, il y a vraiment un créole. Son thème anglais lié, si n'a traduit littéralement, il a dû rédacter contenu en créole. Ok, Chavad Mokowel. Ok, la guerre, il y a une autre question. Léon Mounapé qui pour finir en pub, qui va les mots, il doit utiliser comme ça. C'est pas une question de valeur, mot. C'est pas comme si, ok, soit avec qui pour lui, donc on est un nombre de caractère, un nombre de caractère pour écrire. Mais, ou qu'a écrit, ou qu'a avec une phrase, on produit. Ça va, je vois de qui ça, de qui produit. Mais essayer de produire, c'est un paragraphe, c'est 3, 4, c'est 3. 3, 4, 5 phrases. Vraiment, c'est comme si parler, écrit, bah, qui valeur, écrit, bah, comme si le monde n'a pas été sur Instagram pour le rester, pour le lire, pour le comprendre. Pas écrit pour le coller, monde, pas écrit pour le coller, client, pas écrit pour le faire, client, que vous voyez, pas écrit pour le faire, que vous savez, que vous avez écrit créole, français, anglais, qui vous écrit bel mot. Non, c'est pas comme si vous n'avez pas écrit une page comme si littérature, ou pas écrit, ou pas écrit comme si pour coquillol, c'est un coquillol, ou pas écrit pour compère Joubert. C'est de poète qui m'a apprécié en pile. Ni mettre assis. So, c'est pas comme si on a écrit littérature, c'est comme si on a écrit pour fun. Ok? La guerre McDonald's pose une question très importante. Là, qui est quand on a appris le copywriting, mais même, je n'apprends pas parfait. J'ai besoin de maîtriser la communication, et puis je forme tête en ligne. Avec et puis j'aime faute avec non milieu là milieu de technologie entrepreneuriat mais très prochainement sur plateforme ça j'aime dire nous on a besoin d'un coup sous copywriting que même m'a fait pour nous en tant que formateur pas de problème on a besoin très prochainement on a besoin d'annonce là rebrancher sur plateforme rebrancher que n'a besoin. C'est un plaisir de vous avec nous, guys. Ma pour une dernière question. Une dernière question avant que on aille. Moi, juste à présent, il dit vous qu'à monter. Il dit qu'il est monté. Oui, il dit, on va essayer tantôt. Vous avez ma. Oui, m'tando. Oui, m'tando. Ok. Et m'a vraiment excusé devant public là, moi t'as sur téléphone moi, m'a vraiment connais et vraiment gros problème technique qui est passé. Donc vraiment désolé, même pas c'était moi c'est tout et j'ai dit que vraiment assuré par rapport avec façon que tu réponds par façon que tu réponds. Donc moi c'est tout. Puisque le temps est 9h40, nous avons programmé et live là et pour une autre fois. Donc, vraiment, Jean-Luc, et Mbappé Kembo 3 parce que nous avons passé 40 minutes que nous avons fait live là. Donc, merci parce que vous êtes là ensemble avec nous à Soya pour partager un paquet d'informations. Bon, désolé et pour improviser ça qui passait, mais parce que. Moi, avec Jean-Luc, on a reprogrammé la pour être capable de partager. Merci à tout le monde qui était là. Et on a pris un rendez-vous pour un autre live pendant la semaine. Donc, ciao. Merci, Jean-Luc. Merci pour l'invitation. J'allais écouter l'un.